Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Oui, il n'y a pas Pimousse, mais non, je ne suis pas seul. Les gars, faut qu'on parle. On a fait une vidéo avec 3 fit girls, 80 000 vues. On fait des vidéos muscu, 7 000, 10 000 vues. Il y a un truc qui va pas et je crois que j'ai compris ce que c'était. Du coup, Pimousse, je vais le changer et je vous ai ramené Amélie, que vous connaissez tous et que vous avez vu déjà depuis le début de vidéo. Amélie. Merci. Tu te sens prête de remplacer Pimousse parce que j'ai besoin de faire des vues. Bah oui. Hein. Je pense que tu peux m'aider pour ça. Du coup, on va tout changer. Bannière, photo de profil et tout. Maintenant, tu fais partie de la team FF. Le pauvre. Donc juste, on a une photo avec Pimousse comme ça sur la couverture. Juste, hop, comme ça, hop. Et tu contractes. Ouais. Voilà. Et au moins, le monteur, Noé, il pourra te mettre en couverture. Okay. Et ensuite, on a une photo de profil où on est comme ça. Hop, fermé. Et juste, tu regardes comme ça. Voilà. Donc Fitness Fusion maintenant c'est Didio et Amélie, pas de pseudo, juste Amélie. Non, j'ai pas de pseudo, non, non. Amélie, STMB, je crois, sur Instagram. STB. Aujourd'hui, on va faire les jambes. Donc les gars, je vous ai prévu 5 exercices qu'on voit pas souvent ensemble, des exercices bizarres qu'on voit beaucoup sur TikTok. Et on va essayer de voir si c'est des bons exercices, tout ça. Et ça sera une séance jambes fessiers. Ok. Les gars, on s'abonne, on lâche un like. Maintenant sur Fitness Fusion, que des femmes fortes. Donc si vous voulez voir ça, la petite cloche. Bon les gars, premier exercice bizarre, hyper extension au Swiss ball, hyper extension inversée au Swiss ball, je suis sûr que vous l'avez jamais vu, peut-être sur TikTok parce qu'on voit des trucs bizarres sur TikTok. Amélie, le nom il te non, dit quelque pas chose du tout. Du tout. Pas du tout. Bah déjà on va avoir besoin de cette balle sur laquelle tu es assise et on va la mettre ici sur le banc. Oh là là. Et ensuite je vais te demander de te placer alors au bord du banc et de venir placer ton buste sur le Swiss ball. Ouais. Tu te maintiens ici et ensuite juste en gainant, faire des hyper extensions pour bien cibler les fessiers. Il est fou votre copain. Moi ça rend pas bien, mais toi je suis sûr que ça va bien. J'ai déjà vu cet exo là, mais. Oh, je l'ai senti sans, direct. Sans la balle. C'est vrai. Ah, juste au banc. Ouais. Mais là, c'est... tu seras beaucoup plus à l'aise en fait. Donc, tu te tiens au banc. Tu te tiens au banc. Et après. Essaye d'être gainé dans un premier temps, d'être bien stable. Une fois que tu as trouvé ta position, ouais. Là, tu commences à faire des hyper extensions. Mais je vais tomber. Ah, c'est pour ça, dans un premier temps, essaye juste de te maintenir. Place bien tes mains, peut-être que ici tu seras plus à l'aise. Mais ça va. Mais ça va. Gaine. Voilà, gaine. Une fois que tu es en place, ouais. Voilà. Maintiens la position horizontale. C'est pieds serrés. Ouais, tu peux, si tu te sens plus à l'aise. Et ensuite, là, tu vas juste monter les jambes un maximum. Ouais. Et les redescendre à ce niveau-là. Il y a plus simple comme exercice. Hein. Ah oui, bah on a dit que c'était une okay. Vidéo bizarre. On réessaye. Ouais. Tu sais que j'ai prévu d'en faire 15-20. Donc, ce serait bien d'en faire au moins une. Si elle chute, ça fait des vues aussi, non? Tu veux essayer de le faire sans le Suisse? Oui. C'est un peu très fatigue, donc je vous conseille de faire 3 fois 20 répétitions sur ce genre d'exercice. Et normalement, je me sens bien là, au niveau des fessiers. Ouais, mais ça fait aussi un peu mal en un bas peu du mal dos. Au dos. Ouais, je suis pas fan comme exo. Ah, mais c'est que des exercices bizarres comme ouais, ça. Ouais, super. Donc des exercices qu'on fera jamais. Non, mais après, des fois, on trouve des pépites dans ce genre d'exercice. Ouais, donc vrai. Celui-là, toi, tu le déconseilles. Non, j'aime pas. Il est bien parce qu'on peut le faire à la maison. On a besoin que d'un Swiss ball ou d'un banc. C'est vrai qu'en salle, il y a des machines qui existent pour activer les fessiers. Ouais, simplement, les gars, à la poulie, vous le remplacez comme ça. On passe au deuxième exercice. Allez. Ici, c'est un mouvement qui va cibler surtout les fessiers, c'est pour ça qu'on le fait. On a activé juste avant avec le premier exercice. Mais on va commencer aussi à travailler les quadriceps et les mollets. Donc, presse verticale. Là, tu es bien en place. Il va juste falloir mettre un deuxième pied. C'est mieux. Parce que je t'ai mis de la charge quand même. Et ensuite, simplement, essayer de chercher une grande amplitude pour bien solliciter les fessiers. L'avantage de cet exercice, les gars, c'est que si vous avez des douleurs au dos, logiquement, vous devrez avoir moins mal que sur une presse inclinée ou horizontale, parce que là, le dos, il est vraiment maintenu bien au sol.
Par contre, ça fait les cuisses et pas les fessiers. T'as pas senti les fessiers? Non, pas du tout. En fait, vu que c'est pas la machine officielle, j'ai l'impression que tu peux pas descendre plus bas que ce que t'es capable de non, faire. Non, tu peux pas. Nous, on a la sécurité, mais normalement, il y a des machines exprès qui existent avec un banc et tout. Vous êtes bien en place. Mais t'en penses quoi? J'aime bien cet exo-là. Tu valides? Ouais, j'aime bien. Pour les cuisses, c'est bien. Donc, n'hésitez pas à l'essayer, les gars. 3 fois 12 répétitions, je vous ai. Non, 4 fois 10 répétitions et 1 minute 30 de repos. Ok, pour avoir des jambes solides. Amélie, je te laisse faire la transition pour l'exercice suivant. Je veux que tu prennes la place de Pimousse, donc il faut commencer à t'entraîner. Oui, carrément. Allez, on passe à l'exercice suivant. Pas naturel, pas naturel. Comme ah Pimousse, ouais, je l'ai bien choisi. Ok, les gars, troisième exercice. On a bien ciblé chaîne postérieure. Maintenant, on va cibler les quadriceps avec le Jefferson Squat. C'est dur à dire, je prends anglais. Jefferson Squat. Vous le connaissez peut-être. Franchement, c'est un bon exercice, les gars. Simplement, on se met au-dessus de la barre. Un pied dans la direction face à vous et un autre perpendiculaire au premier pied. On vient saisir la barre. On descend bien le bassin. Sortez bien votre poitrine ici. Il ne faut pas être courbé. On est bien droit et on vient pousser sur les talons pour remonter en haut. On retient bien la descente et on est bon pour recommencer. Et là, normalement, les quadriceps, ils sont en feu. On va voir ce que Amélie, elle en pense. Ok, pas mal. Je suis pas droite. Essaie de garder tes épaules dans cette direction-là. Vraiment face à moi. Ok. Ouais, et au niveau de la prise de main, ici, prise inversée, les gars. Vous serez beaucoup plus stable. Amélie, elle l'a fait naturellement, c'est parfait. Là, nickel. Les épaules, elles sont bien en direction du mur d'en face. Validé. Je le sais que ça va être validé cet exercice. Non? Je suis mitigé. Ouais, tu le referais pas? Non, je pense pas. Bah après, c'est une question d'habitude, je pense. Ouais, aussi. On voit beaucoup du deadlift traditionnel sur les réseaux. Si on voyait cet exercice plus souvent, je suis sûr qu'il aurait un peu plus de cotes. Sur celui-ci, je vous conseille, les gars, 3 séries de 12 répétitions, 1 minute 30 de repos et normalement, les quadris vont exploser. Exercice suivant? Allez, c'est parti. Les gars, quatrième exercice, le squat Cossack. Toujours des noms bizarres. Que des noms bizarres ici. On va partir sur une paire d'haltères, comme tu vois. Tu peux les prendre dans tes mains si tu veux, comme ça on va le faire en même temps. Et là, au lieu de venir travailler de base en haut, comme pour un squat classique, ou d'avant en arrière au niveau des fentes, on va venir sur les côtés. Tu vas chercher à droite et à gauche. Donc toi, tu es assez souple. Normalement, la jambe d'appui, elle est tendue pour toi. Ah ouais, carrément. Et tu vas chercher droite, gauche et sur le téco. Donc là, tu as fait un squat classique. Ouais. Va vraiment chercher sur le côté. Allez, pousse sur ta jambe d'appui, va chercher à gauche. Là, c'est ta droite. Et maintenant, on va à gauche. Tu as ton permis, Amélie? Allez, à droite. Attends. À droite, c'est par là. Attends. Tu veux que je montre avec mes mains? J'essaie de comprendre l'exercice avant. Ça fait mal aux adducteurs. Aux adducteurs, je pense que les adducteurs, c'est très bien. Sinon, t'en penses quoi? Sinon, c'est bien, mais en moins lourd. 12 kilos, bah, ça va. Tu sais, le Pimousse, il prend des 40 kilos ici. Ah ouais? Ah ouais, faut. Mais aussi... il n'est pas là. Si tu veux le remplacer, il faut mettre de la charge. Ouais, bah. Coach, sur les tournages, il fait un peu semblant des fois. Bon, je te garde, il reste encore un exercice. Ouais. On passe à la suite. Allez. Les gars, dernier exercice de la séance, un super set pour vraiment se terminer les fessiers. Soulevé de terre, landmine, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Comment tu dis? Landmine, je t'ai dit, faut pas parler anglais avec moi. Soulevé de terre avec un point d'attache, c'est bon? En français, ça passe mieux. Et enchaîné en super set avec du hip thrust aux élastiques. Bon, je vous montre. Non, Amélie, elle va nous montrer. Ok. J'ai dit, je travaillais plus. Maintenant qu'il y a des femmes sur la chaîne, allez hop, la chaîne, elle saute. Parfait. Une fois que c'est fait, Amélie, je vais te demander d'essayer de rentrer dans cet élastique. D'essayer de rentrer. On va voir si ça passe, les gars. On peut en mettre au moins deux comme moi. Les gars, vous voulez rentrer dedans pour voir juste si ça passe? Dans l'élastique, hein? Dans l'élastique. Alors, hip thrust. On va venir sur les genoux. Je laisse l'élastique là? Ouais, au niveau de ton bassin. En fait, t'imagines que t'es allongé comme un hip thrust classique à la barre. Ouais. Et on va venir simplement se redresser ici pour activer les fessiers. Comme ça? Ouais. T'en
penses quoi? C'est pas mal. Pas mal? Ouais, c'est bien. Et vous pouvez le faire à la maison, les gars. Donc ici, ce qui est intéressant, ce serait de faire 8 répétitions lourdes sur le premier exercice et ensuite vous enchaînez avec 15 répétitions légères pour finir sur le travail des fessiers. Et les gars, là, vous avez votre séance complète. Les gars, il y a d'autres exercices bizarres qu'on vous a pas présentés. Du coup, je vais en profiter pour vous les montrer. Ils font pas partie de la séance parce que 5 exercices, franchement, c'est suffisant pour avoir une bonne séance. N'hésitez pas à la tester. Et maintenant, on enchaîne avec Amélie, 3 exercices encore plus bizarres. Allez, super. Bon, voilà pour la séance complète avec Amélie. J'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, n'oubliez pas, il y a son Instagram si vous voulez lui donner un peu de force. Ça te plaît, YouTubeur? YouTubeur? Ouais. Ou bah, c'est une reconversion. C'est parti. C'est parfait. Pimousse. Ciao. Ouais, putain, c'est elle qui me dit, hein, Pimousse. Ben, il sera présent dès la semaine prochaine, les gars. Il y a une vidéo avec Pimousse et moi contre 5 fit girls. Donc, si vous voulez voir ça, on a déjà fait une première partie de vidéo contre 3 fit girls. Là, ça sera avec Pimousse. Activez la cloche, les gars, parce que ça va être masterclass. Aujourd'hui, c'était avec Amélie. Franchement, t'as géré. J'ai bien kiffé faire ça avec toi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette séance dans sa globalité? Est-ce que tu pourrais la faire avec le... Les exos de la fin, les 3 derniers, oui, sans problème. Mais les 2 premiers, non. Tu la trouves logique, la séance, ou pas? Avec ce que j'ai mis en place. La pré-fatigue au départ, on cible bien les fessiers et un petit rappel quadriceps. Bah, moi, j'ai plus l'habitude de dégrouper et de faire une séance vraiment focus quadri et une séance ischio-fessier, mais ça fait du bien aussi de regrouper tout ensemble. Ah, c'est vrai qu'on l'avait interviewé, c'était pas trop sa façon de travailler. Les gars, si vous voulez voir ça, la vidéo, elle est disponible. En tout cas, si vous voulez des vraies séances adaptées, personnalisées, il y a tout ce qu'il faut sur le site internet www.fitnessfusion.fr. Et si vous voulez des petits compléments qui vous aident à booster vos performances, il y a tout ce qu'il faut sur Broadway, les gars. Vous avez 10% avec le code FITNESSFUSION. Soutenez-nous et on pourra tout péter sur YouTube. C'est le but, hein, cette année. On va prendre que des femmes fortes comme Amélie. Donc si vous voulez un défi, les gars, c'est ici que ça se passe. C'était FITNESSFUSION. Force! Ah, ça, faut qu'on le travaille, Amélie. Tu vois. C'était FITNESSFUSION. Force! Et fun!